C'est parti. Je crois que c'est lui la masse au début là. Mais bon. Alors il a ouvert une porte. Le mec il est quand même prisonnier mais il arrive à ouvrir des portes, etc. C'est ça? Ah, soit. Qu'est-ce que c'est ancien? Checkpoint. Alors, des trucs qui se téléportent et qui sont aussi puissants que ça, visiblement. Je crois que celui-là, tu peux les tuer avec un scénario. Je suis pas sûr. C'est quoi ça? Allez, go! Mettre que des coffres verts, on sent que ça fait plus là. Il y a beaucoup de cadeaux. Ça bouge juste pour faire du bruit ce truc. Et quoi d'autre à faire? Alors là je peux activer les deux. J'y étais là tout à l'heure. Cette nouvelle hache. Est-ce qu'il y a un symbole qui est... Voilà. Alors, je peux pas... Ça marche. Je vais le tuer. Eh bah putain, ils ont beaucoup de sang les anciens. Alors. Je suis en train de penser au chemin que j'ai fait hier. Il fallait que, comment dire, que je fasse pas ce glyphe dans les petits tuyaux et j'avais que 5 secondes là, avant d'aller voir l'oracle. Chapitre 7. Ah, c'était compliqué. Ça va aller. Thank you.
voilà. Qu'est-ce que tu fais là? Voilà. Je pouvais enchanter mon arbre. Télékinésie. Je te sens. Alors qu'est-ce que tu peux faire dans cette prison, toi? Bah rien. Ok. Qu'est-ce que toi... Attends. Est-ce que je peux contrôler les mecs comme ça? Je pense pas. Alors... C'est la brume. Je vais le faire, ça fait longtemps. Bien. Je vais lui faire une immolation juste pour lui. Wow. Wow. Allez, vas-y, encore une fois. Wow. Encore une fois. Encore une fois, allez, vas-y. Wow. Voilà. Ça one shot. Je crois que pour le boss de fin, c'est ça qu'on utilise. Juste par immolation. Si je me souviens. Hein. Alors là, il faut que je fasse quoi? Ah bah tiens. Petit affaire. Voilà. Ça a libéré le monsieur. L'autre. Allez, go. Putain, je l'avais même pas vu alors que c'était à côté de moi. Oh la tête. Oh, je savais pas que c'était ce truc là. Voilà. Checkpoint. Il vomit dessus. Alors, qu'est-ce que je vais faire ici? Qu'est-ce qu'il faut que je fasse? C'est que je peux les pousser, je suis pas. Doucement, doucement là. Ah, c'est... Ouais, je pensais que j'étais mort. Pourquoi je suis mort? Ah ouais, il bloque dans un coin donc. Doki doki. Voilà, il y a moins qui me tue. Et puis il y en avait que un.
Pas mal. Tiens, tu vois, je suis pas au même niveau que lui. Et du coup, là, il peut pas m'attaquer. Comment hack le jeu? Allez, réveille-toi. Non, mais je l'ai tapé combien de fois là? Mais c'est quoi ce bordel là? Je lui ai mis 8 coups. Allez, troisième essai. Autant ce coup-ci, je voulais me battre. Ouais, ils sont beaucoup plus forts que tout à l'heure. Les horreurs de l'enfer là. Je vais juste aller chercher l'arme d'abord. Allez, c'est où? T'es là, ramène-toi. Ramène-toi, ramène-toi. Ah, je vais faire l'attaque. Hop. T'as assez fou, hein. Quand il est lancé sur une attaque, moi je peux faire ce que je veux. Tu vois, regarde, je suis en train de l'attaquer, ça me prend pas. Et ben voilà, putain. Ah, donc je suis obligé de me battre pour lui. Tac. Bon, je vais me soigner, quoi qu'il en soit. Ah, ça soigne, là. Ça soigne bien. Soigner le plus. Je ne peux pas me battre. Alors qu'est-ce que je peux faire ici? Oh, il y a du main, ok. Ah, là-bas, je peux faire un peu de dégâts. Sortez, pardon. Allez, vas-y, montre-moi ce que tu peux faire. Non, tu peux pas le faire. C'est tout. Ok. Il me suit le truc là ou pas? Ah. Faire un saut. C'est good. Sortilège. Allez, vas-y, mon cher péon là. Attends, hop. Ouais. Thank you.
Putain, je l'ai fait deux fois le train. Donc, coup de mieux. T'arrives au 20 mètres. Ça marche pas. Voilà. Qu'est-ce que je peux faire? Ah bah elle est là. Allez tiens, toi je peux prendre des cadeaux. Bon, depuis tout à l'heure j'en prends plein mais je les prends pas. Allez c'est parti. Là c'est bon. Où suis-je? Checkpoint. H. Ouais, un nouveau combattant. Type allié. Ouais, il est fort, il est fort, il est fort. Il est fort, je confirme. Je peux ça regarder? Quand ça te sauvegarde, c'est le pourcentage, c'est en fonction de là où tu en es dans le niveau. Je suis déjà à 45%. Pour l'instant, j'ai l'impression d'avoir rien fait. Enfin, pour toi, j'ai l'impression d'avoir rien fait. Bon, c'est pas grave. Allez. Ouais. On garde. Je vais te rebloquer. C'est bon là, t'es mort ça, ouais. Ouais, non, ça. Donc soyez, mais ça va, on est là. Voilà. Par contre, je fais pour monter là-haut. Ah, comme ça. Voilà. Good, good, good. Ah, je crois que c'était un trou où je peux aller dedans. Mais là peut-être. Aïe. Il fait rien, ce que c'est pour ce qu'il prend. Ok, 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 ok. Et évidemment, il va rester devant et se faire gober par le grappin.
ça fait vraiment penser à Dead Space. Vas-y. Capo. Sors. Quel. Putain, ils en ont pas qu'un peu, hein. Toi, ils ont la peau sur les os. Allez, go. C'est quoi? Alors, je ne sais pas si c'est 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 pas. Qu'est-ce que je peux faire? Bah, je peux faire des petits trucs. Je parle de sortilège. De sortilège pour la 20ème. Allez, vas-y, va. Vous allez voir le pied que je pars. Alors, ici, il y a le checkpoint. Alors, ça va enlever l'eau. Voilà, c'est toujours surprenant. Checkpoint. Par ici. Très fort, hein, le sort d'immolation, très très fort. Ah bah non, il fallait que c'était... Ah bah ça doit être la technique. Bon, une fois que t'as compris... sortilège, pardon. Une fois que t'as compris le truc, c'est facile. Hein. Enfin, que, faut regarder partout. Ah, voilà. Il y a plusieurs trucs à faire. Je pense qu'il faut faire ça un peu. Deuxième truc. Sortilège. Allez, vas-y, Joey. Ok. Et là, je me fais vite. Je vais télé. Comme ça, il peut repasser. C'est un jeu d'enfant. Checkpoint. Je trouve ça bizarre parce que tu vois ces monstres là, les trucs ailés. Je sais pas si vous vous souvenez quand on était dans sur la route là. Et ben les gardes séraphéens, je crois on dit. Et ben ils se battaient contre des trucs comme ça. Et là, tu vois que... Et vu que ces anciens-là, ils travaillent pour les séraphéens... Enfin, non, pardon. Enfin, voilà, ils sont de mèche avec eux.
Et ben donc là, c'est bizarre qu'ils soient alliés alors qu'ils se battaient sur la route. Donc je suppose que ce truc est là. C'est pas forcément un allié, c'est une créature qu'ils peuvent contrôler. Voilà. Comme moi avec la télékinésie. Ok, alors là, faut trouver un truc. Alors je vais tenter de garder une poisson. Ok, ouais. Mais tu vois, quand je l'attaque, il me fait ça. Allez, deuxième partie. Ah, je vais voir si je peux le gérer juste avec la technique. C'est mal fait ça. Toi, peu importe si t'attaques ou pas, comme si t'es attaqué avant. Ah ok, donc là ça fait place une fois qu'il a soufflé. Et ouais, tu vois rien. Je suis en train de l'attaquer, c'est pas tout. Pas sauter. Donc le mieux, je pense, c'est tu fais télékinésie, après saut, et après tu le laisses t'attaquer, tu buteras quand tu pourras faire l'immolation. Allez, vas-y, viens de bosser. Et ouais, tu vois, regarde, je l'ai mis tout droit. Plutôt que de reculer, il faut passer sur le coup. Tu vois, c'est franchement ridicule. Allez, voilà, comme ça c'est réglé. Est très mal fait. Enfin non, pardon. Il y a beaucoup de choses à améliorer. Pour les déplacements, c'est pareil. Je vois qu'il y a beaucoup de problèmes. Bon, après, je peux déplacer. Il aura bientôt 20 ans, donc tu peux être un peu clément. Mais bon. C'est au cas où, tu vois, petit fin de 23, qui existe peut-être déjà. Qui te prend? Qui te prend? Wow. 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 Ah ouais, il y a un peu de faire, non? Wow. Wow. Tu vois, je peux garder. L'incinération en rap comme ça.
Je garde une incinération en rap, comme ça si je dois faire un combat, ben, je peux tuer le mec de l'instant. Et ça c'est très fou. Ça tu peux pas les contrôler. Ils sont fous, ça sert à rien. Bah, saute quoi. Ah, il va faire un saut. Hop là. On descend le trou de l'eau. Pas tout. Est-ce que j'ai un intérêt à aller là-bas? Je ne comprends pas. Bon, je vais y aller quand même. Le stop, le bon. Ok. Bon, il doit y avoir un petit truc à l'écran. Parce que où est-ce qu'il y aurait un bon sort à contrôler? Voilà, tout est kinésie. Pas contrôlé. Ah. Quoi là-haut? Ok, là-haut. Ok, ok. Alors, vous en parlez. Voilà l'intérêt d'avoir une relation de côté. Ah bah voilà. Alors est-ce que je peux sauter là? Oui. Voilà. Encore un petit saut. Là-bas. Et ça sera bon. L'énergie du sang. Ok. Il y avait une épée, je crois, par terre. Je peux voir. Yeah. Non, j'ai rêvé. Bon. Est-ce qu'il y a un truc à faire? Je reviens sur la plateforme en haut là. Ici, j'ai déjà le saut prêt. Bon, j'ai bien fait de tuer le mec qui était là. Et c'est parti. Bon. Alors là, c'est un peu bizarre. Je me demande si c'est de la terre ou si c'est du métal. Je pense que c'est comme type de matière. Ça, est-ce que ça le soit? Ça la régénère. Ok. Bah tu vois, j'ai appris ça. Attends, je suis venu de là. Là-bas, il y a un mec. Qu'est-ce que je peux faire? Est-ce que je peux faire un truc? Non. Faire ça. Non. Bon, je vais en face. De...
Pour l'instant, je ne vois pas ce qu'il faut faire. Et là, il y en a encore un autre. Ah, la petite sortie là. Ok. Alors, c'est vraiment bizarre. J'ai l'impression d'être dans un nid d'araignée, je sais pas pourquoi. Allez. Je l'ai déjà affronté ce truc. Ah, voilà, tiens. Je sais, vis ça ou quoi. Ah, je pense qu'il faut tuer ça. Enfin, faut tuer le mec pour passer à travers ça. Allez, viens. T'es où, gamin? Voilà. Est-ce que après l'avoir tué, ça va révéler cette dame? Non. Ah non, d'accord. Checkpoint. Ça faisait longtemps. Ça me fait vraiment penser à Dead Space à ce niveau. Slide. Ça, c'est des casques que je peux bouger. Peut-être avec un contrôle de bord. Non. Attends. Voilà. Il va y avoir un truc à faire. Et une sortie là. Parti. Un combat, j'aurais dû préparer une relation. Bien, le guerrier Andros qui arrive. Il s'appelle pas comme ça, mais je trouve que ça leur va bien. Ça va les petits tuyaux gros. Les gros prix, faut plus pas. Attends, c'est un petit peu. Alien. Je pense avoir trouvé la masse. La masse, cachée derrière les boyaux du mécanisme. Ici se trouvait donc l'arme ultime du Seigneur Séraphin, la toux qu'il gardait dans sa manche contre les vampires et les humains. J'avais moi-même une de garde en main. Je sentais le sang du bâtisseur couler froidement dans
Et là, tu sors des enceintes, il y en avait ici aussi, regarde, il y a des mecs. Ah bon, on l'a trouvé, c'est vite qu'on l'ait. Intérêt. Par contre, le bruit au niveau du son, il y a un souci aussi. Voilà. Quand les voix, enfin, après, c'est moi qui parle, du son, j'ai pas mal de problèmes. Quand il y a les voix, j'ai l'impression qu'il y a des coups de fond et tout qui dessus parfois. Ça, c'est pas génial ça. Attaque-moi un peu là, il faut que j'ai une collation prête. Ouais, bien quoi. D'accord. Nickel, merci. Comment est-ce que je voulais? Allez, c'est parti pour le show. Go. Heureusement que je suis pas tombé là. Alors est-ce que là je suis en saut? Ah merde, fallait que je saute. Putain. Alors commence. Je saute au prochain. Voilà. Vous voyez, quand je vous parle de problèmes avec les sauts et tout, ben, encore un exemple. Mais c'est jamais donc cette forme. Voilà, c'est parti. Et c'est là qu'il faut que. Alors. Je peux tenter un truc. Bien. Regardez mon collation. Elle est là. Allez, vas-y, rentre. Ramène-toi. J'utilise pas mes sorts pour rien. Tac, c'est parti pour le show. C'est ici qu'il faut mettre son sang.
flammes. Un nouveau boss, c'est l'avant-dernier. Alors, lui, ne me confonds pas avec la misérable bête opprimée qui croupissait ici. Regarde-moi, je suis de nouveau moi-même. Qui es-tu? Pas quoi, mais qui, Ken? Mon visage t'est inconnu, mais mon nom ne l'est pas. As-tu jamais entendu l'histoire du plus ancien des vampires, Yanos Odron? Le légendaire vampire des temps anciens. Comment cette transformation avait-elle pu se produire? Mais Yanos est mort, le cœur arraché de sa poitrine. Pas mort, mais emprisonné en ce lieu. Mon sang servait à alimenter le mécanisme et à nourrir la masse. Privé de vie et de sang, j'étais soumis à l'horrible créature. Lorsque tu as empoisonné la masse, j'ai senti mes forces revenir. Ce qui est divin ne peut être entièrement supprimé. Divin ? Ton emprisonnement a dû t'endommager l'esprit, Yanos. La malédiction du vampirisme n'est pas une marque de divinité. Tu dois fouiller encore plus loin dans l'histoire, Ken, pour connaître la vérité sur ton héritage. Il y a longtemps, bien avant que je ne marche sur la terre, les vampires étaient-elles des dieux et notre roi gouvernait le pays. Mais nous étions en guerre contre une autre race, à la puissance similaire, mais aux méthodes et aux buts bien différents. La guerre dura un millier d'années. Nos ennemis furent vaincus et nous les bannîmes de la surface de la Terre grâce à de puissantes magies. Ils furent scellés dans un autre plan de l'existence. Quel rapport cette histoire a-t-elle avec moi? Patience, Ken. La race qui a combattu les vampires était celle des Hilden, les mêmes que tu viens de rencontrer. Ils contrôlent les Séraphéens et s'efforcent d'anéantir les vampires, de réduire les humains en esclavage et de reprendre le contrôle de Nosgoth. Ils représentent le mal, venu nous empoisonner une fois de plus, les créateurs de démons, du mécanisme et de tout ce qui menace de près ou de loin ce territoire. Ils sont revenus accomplir une terrible vengeance. Ne m'as-tu pas dit qu'ils avaient tous été bannis? Ils le furent, Ken. Mais il y a quelques siècles, un des Hilden a réussi à revenir dans notre monde. Il s'est ensuite servi de magie pour transférer d'autres Hilden, mais il ne disposait pas encore de la puissance suffisante pour lancer une grande invasion. Il avait d'abord besoin d'une armée, ici même, et d'humains, à drainer de leur énergie. Il entendit parler d'un ancien ordre légendaire, dont le but était de purger le monde des vampires, il y a longtemps. Il décida de le ressusciter, et les Séraphéens réapparurent. Le Seigneur Séraphéen, c'est lui qui a réussi à revenir. Mais comment? Nous en venons maintenant à la partie de l'histoire qui te concerne. Lorsque tu as détruit la colonne de l'équilibre, tu as provoqué une fissure dans le monde, suffisante pour ouvrir un passage entre les dimensions. Était-ce donc moi, alors, qui avait engendré cette guerre? Non. J'avais été poussé, pas après pas, sur ce chemin et vers ce résultat. Tout cela n'était-il donc qu'un machiavélique complot Hilden depuis le commencement? Mon esprit vacillait en mesurant les implications. C'est ainsi que le Seigneur Séraphéen put revenir dans ce monde en construisant un portail magique. C'est le portail Hilden. Ferme ce portail à jamais, Ken, et tous les Hilden présents à Nosgoth mourront. Le portail est essentiel à leur existence? Exactement. Il représente leur cordon ombilical vers l'autre monde. Une fois coupés, ils ne peuvent plus survivre chez nous. Les Hilden vont donc disparaître, et le Seigneur Séraphéen avec eux, je vois. Ferme ce portail et tue le Seigneur Séraphéen, Ken. Ferme le portail et fais disparaître les Hilden de ce monde, une bonne fois pour toutes. Et comment tout cela est-il supposé se produire?
Nous devons nous rendre au sanctuaire. Vorador doit être informé de ce qui s'est produit et un plan doit être mis au point pour en terminer une fois pour toutes avec ces horreurs. Ok. Tu aurais dû m'envoyer avec lui. Tu étais blessé. Maintenant, nous n'avons aucun moyen de savoir où est parti Kane et ce qu'il fait. Même toi, tu n'as pas pu entrer en contact avec lui. Qu'est-ce que c'est? Non, attends. Dois-je en croire mes sens? Yanos, Majesté, mais ils vous ont tué? Non, bien pire. Mais je te conterai l'histoire une autre fois. Ou il n'y aura pas d'autre fois pour aucun d'entre nous. Vorador, nous avons besoin de tes conseils. Nous nous demandions justement où tu étais. J'ai fait ce que j'avais dit. Kane, le mécanisme. Il est détruit. Mais nous faisons maintenant face à un péril encore plus redoutable. Quel est-il ? C'est une vieille histoire que je te conterai à une heure plus favorable, s'il doit jamais y en avoir une. Pour le moment, tu dois me croire quand je te dis que ton ennemi, notre grand ennemi, le Seigneur Séraphéen, appartient à un peuple venu d'un autre monde. Son plan, par-dessus tous les autres, est de faire revenir son peuple en notre monde, d'où nous les avons bannis il y a bien longtemps. Il doit en être empêché, ou nous serons exterminés. Sire, que devons-nous faire ? Il a créé une base en ce monde, la cité Ilden, de l'autre côté de la mer. Il y a ouvert un portail pour faire venir les autres. Mon plan était initialement de nous téléporter à la cité Ilden et de lancer l'assaut final sur le Seigneur Séraphéen. Mais je suis confronté à un genre de bouclier magique qui m'empêche d'agir. Si nous voulons les affronter, ce bouclier doit d'abord être détruit. Vorador, où se trouve la cité Ilden ? Tes espions t'ont-ils fourni cette information ? Oumba, que sais-tu ? Il y a eu ces derniers mois une intense activité sur les quais. De nombreux vaisseaux de guerre et des cargos chargeant et déchargeant dans le plus grand secret. Ceux des nôtres qui ont pu infiltrer la zone et revenir vivants nous ont appris que tous les vaisseaux semblent prendre le même cap en sortant du port. Mais nous ne connaissons pas leur destination. Ce doit être la cité Ilden. Quel autre endroit pourrait être source d'autant d'intérêt ? Tu dois immédiatement embarquer pour cette cité. Une fois là-bas, trouve et désactive le bouclier afin que nous puissions faire venir des forces et refermer le portail pour toujours. Quelqu'un peut-il me montrer le chemin jusqu'au quai ? Je trouverai le moyen d'embarquer sur un des vaisseaux sur le point d'appareiller. Une fois le bouclier désactivé, je te contacterai. Je vais avec lui. Mais j'aurai besoin de toi ici. Je connais les quais. Et là où un seul peut échouer, deux peuvent réussir. Je n'ai besoin de personne pour me couvrir. Fais-moi confiance. C'est un risque que nous ne pouvons pas courir. Pas lorsque tout ce pour quoi nous avons combattu est en jeu. Il y a bien plus en jeu que tu n'imagines. Accepte l'aide qui t'est offerte, Kane. Voilà qui est réglé. Je vais préparer nos forces à l'assaut final. Prends garde, mon enfant. Prenez garde tous les deux. Accepte l'aide qui t'est offerte. J'avais pourtant bien souvent constaté que l'aide offerte, lorsqu'elle est inutile, n'est d'aucun secours. Bien. J'adore sa voix. Et c'est le chapitre 9. Chapitre 9. Attends, non. Chapitre 7. Vorador nous a dit de trouver une galère de guerre. On devrait jeter un coup d'œil au quai du Sud. Quel type de défense y a-t-il ici ? Les plus fortifiés des avant-postes séraphéens. Ils contrôlent tout le commerce et les voyages en direction et en provenance de Méridiane. Bah, les séraphéens ne sont rien comparé à ce que j'ai déjà affronté et détruit. Ne sois pas si arrogant. Leurs meilleurs guerriers attendent à l'intérieur. Les chevaliers de Glyph sont redoutables. On verra ça. Dis-moi une chose, Kane, avant que nous entrions. Si tu terrasses le Seigneur Séraphéen et récupères la Soul River, que se passera-t-il ? Tu connais la réponse ? Dis-moi. Alors, Meridian et Nosgoth seront à moi. Et la résistance des vampires ? Vous ferez ce que bon vous semble, bien entendu.
Bien entendu. Quoi ? Me prends-tu pour une imbécile ? Tu oses ! Vorador m'a raconté ton histoire, Cain. Il dit que rien ne t'empêchera d'apaiser ta plus grande ambition, le pouvoir absolu. Alors comment croire que lorsque tu contrôleras Nosgoth, tu nous laisseras vivre et agir comme bon nous semble ? Nous sommes les seuls à pouvoir nous dresser en travers de ta route. Non, tu devras nous traquer, nous tuer tous, et je ne vois pas la différence pour nous avec la règle absolue du Seigneur Séraphéen. Je n'ai pas à t'expliquer ou te justifier mes actes, Uma. Personne, pas même toi, ne se dressera en travers de ma route. Je te remercie, Cain, de nous avoir offert la chance de vaincre les Illden une bonne fois pour toutes. Mais tu en as suffisamment fait. Je vais m'occuper de trouver et tuer le Seigneur Séraphéen, et Nosgoth appartiendra à nouveau aux vampires. Espèce de folle, tu n'as pas la moindre chance de survivre à un tel combat. Maintenant, rends-moi la pierre de Nexus. Merde. Bon, là, c'est trop tard, mais si vous regardez le dessus de sa main, en fait, ses griffes, elles sont tellement longues que ça transperce ses mains. Ou je la retirerai de tes doigts morts. Et le monstre révèle sa vraie nature, finalement. J'aurais aimé que ça se passe autrement entre nous, Cain. Adieu. C'est pas grave. Ah oui, attends, mais là, c'est fini.